Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la suite de l'ensemble de jeux Lego Marvel Super Hero. Il s'agira de la référence toujours 76032, le Queen Jet dans la ville. Et comme vous allez vous dire, pourquoi il y a la Veuve Noire, ce truc et une base là? Eh bien, vu que j'ai dû partir, bon, je vous les mets en décalé, mais j'ai dû partir quand j'ai tourné les vidéos. Du coup, eh bien, c'est pour ça que ça a été un peu vif le départ la dernière fois sur la fin du camion. Du coup, je voulais continuer, mais je me suis embêté, franchement, et j'avais pas ma caméra. Du coup, j'avais prévu le truc et du coup j'avais pris le sachet 2 avec le bon emploi. J'avais pris le sachet 2 avec le mode d'emploi et du coup le sachet 2 donne ceci avec ici pour mettre la moto du Capitaine America avec ça que je sais pas trop comment mettre. Enfin voilà. On a Black Widow. Avec, je vais vous faire un petit focus. Voilà, avec deux pistolets. Et voilà. Du coup, on loupe une partie. Et du coup, les pièces sont juste celles-ci. Il y a un écrou jaune, une pièce technique grise, une noire, une pièce technique bleue avec accroche porte-nom. Une pièce rouge comme ceci, un gros écrou et une fois un blanc. Enfin bref, voilà. Du coup, là j'ai collé les stickers. On avait un là et là et ici. Et du coup, et ben là il n'y avait pas de stickers à coller. Donc je ne les ai pas collé. Et bien voilà. Et du coup, on va pouvoir continuer cette partie. Et j'ai un problème avec ma chaise. J'espère que ça ira pour cette vidéo. Voilà, du coup, ça, je le mets là. Ah oui, et je vous ai pas montré ça. Je vais reposer ça. Vous pouvez mettre un personnage avec. Il y a deux tenons là. Vous l'accrochez comme ceci. Et vous appuyez là. Et il peut sauter. C'est un petit peu bizarre. Mais c'est pour le faire sauter. Donc, très bizarre. Après, ça peut être cool. Donc, ça, petite pièce unique chez Lego. Ça sert, je crois, que à ça. Donc, on avait Vision. Ultron, Black Widow. Et là, on a son Queen Jet qui est en début de construction. Je vais juste poser les personnages parce que il n'y a pas beaucoup de place. Le mode d'emploi, voilà. Et on va commencer avec un véhicule. On peut poser ça à côté. Voilà. Un petit sachet. Je suis pas tout à fait remis de ma crève, donc je vais encore tousser de temps en temps. Mais je vous fais quand même cette vidéo. Au moins, vous l'aurez. Dans la review où j'espère moins être malade. Vraiment dérangeant. Bon, on continue comme ceci. Je vais vous faire un petit focus plutôt. Je vais vous faire un petit focus comme ceci. Voilà. Ouais, voilà.
J'espère que vous m'excuserez, mais de parler beaucoup, cela me chatouille la gorge. Du coup, je tousse. Donc après, là. Ah, c'est vraiment dérangeant de devoir tousser comme ça tout le temps. Voilà. Comme ça c'est déjà fait. Ah. Du coup, bah, on va continuer avec les roues parce que une moto sans roues, c'est pas une moto. Et où sont-elles les roues? Le pneu, surtout là. Donc voilà, il y a un sticker ici et un sticker ici pour la moto. Captain America, et voilà son bouclier. Il a l'air d'avoir un parachute. Ouais, à voir. Et sa tête, où est-elle? Là. On a Captain America et on peut pas mettre son bouclier dans le dos, mais sur sa moto. Comme ceci. Donc je vais vous montrer. Voilà, pas de double imprimé, une, enfin oui, un petit trait là, mais non, on voit pas très très bien. Un imprimé arrière, des gants, et du coup on peut le mettre sur sa moto. Et voilà. Et en fait, je crois que malheureusement pour cette construction, je vais pas pouvoir vous faire de vidéo. Donc, ouais, je vais vous faire ça. Et après, il manquera encore. On est au paquet 3. Donc, je vais peut-être monter le paquet 3, 4 et 5. Et le 6, on le refera ensemble. Parce qu'il y a Iron Man. Donc, après, voilà pour notre petite moto. En même temps, ça m'a permis de vous montrer ceci. Et du coup, maintenant, avec la moto, je peux vous montrer qu'elle se range parfaitement bien là-dedans. Avec là, vu que ça monte, on a ça. Bon, peut-être pas avec Captain America dedans, mais ça a l'air d'aller plutôt bien. Et ben voilà, j'étais quand même assez contente de faire cette petite vidéo avec vous, qui est vraiment petite vu qu'on fait 8 minutes seulement. C'est très très rare. Je collerai tous les stickers pour la prochaine fois. Enfin, sauf pour ceux du paquet 6. Là, je ne pourrai pas les coller. Et voilà, j'espère que j'irai mieux pour pouvoir peut-être vous faire le paquet 3 ou 4. Mais le 2, en tout cas, je pense pas. Parce que ça doit être chiant pour vous que je tousse comme ça. C'est vraiment, vraiment chiant. Donc, je vais construire à part. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et salut à tous et à la prochaine!